love speed, and to sail these type of boats, it's really what gets your heart going and makes life exciting. So, you know, whilst there's a little bit of a danger aspect, I think that's actually part of the adrenaline. And at the end of the day, that's what really makes it tick for me. I love sailing these boats, particularly in strong wind conditions in such an iconic venue like Lake Garda. I mean, it's absolutely perfect for this type of sailing. Après regard du C32, on a plutôt bien navigué. Par contre, je suis complètement explosé. Donc, il va falloir bien dormir ce soir et demain on remettra ça. My arms are a bit longer today than they were yesterday morning. 4 or 5 hours on the water, you certainly feel a little bit older at the end of the day, that's for sure. Toute l'équipe elle est top. J'ai un boulot vraiment facile. Je dois juste barrer le bateau, donc pour moi c'est tranquille. Je fais un peu de la croisière, mais ils font vraiment un super boulot. Super high speed reaching and starts, you know, it was really, really full on down the reaches, and the first mark bear away some pretty exciting loose action at times. And, you know, in the end, we had some great racing and we started off the day really well. We had 3 wins. Le feeling, c'est vraiment top. Après, ça reste quand même dangereux à la fin. Il y avait quand même beaucoup de vent, et quand tu vas à 36, 37 nœuds au portant, quand tu plantes, tu peux te faire vraiment mal. Non, aujourd'hui la voile vit vraiment une véritable révolution avec l'arrivée du foiling. Moi j'ai eu l'occasion, la chance et les opportunités de faire les Jeux Olympiques, de faire plusieurs fois la Coupe de l'América, de travailler avec Alinghi. Et aujourd'hui il y a un vrai changement avec l'arrivée du foiling. Là, je suis en charge des potions magiques. Alors, tout ce qui est produits de récupération, énergisante. L'équipe en soi, elle consomme environ 15 litres pour la compétition. Just preparing the boat for the racing of today, to making sure that all the tension of the mast, the diamond are okay, and make sure we have the same setting of yesterday. The speed was quite good. So a mark on the cable, a mark on the mast, and we can easily come back to the right setting for the right wind range. Première régate en GC32, je dirais qu'il y a beaucoup d'excitation, surtout par rapport aux autres équipes qui sont à côté de nous sur la ligne de départ, parce qu'on a des grosses équipes qui participent à l'America's Cup. On a vu qu'on peut vraiment jouer, qu'on peut batailler avec une équipe qui prépare la Coupe de l'América, donc c'est vraiment valorisant pour nous. No!
à bord du bateau Team Tilt, on a la chance d'avoir Glenn Ashby. C'était une volonté, comme très souvent, de mixer les jeunes navigateurs suisses avec des personnes d'expérience. Donc Glenn Ashby, skipper de Team New Zealand, est avec nous et puis il nous apporte toute son expérience du multicoque et puis sa connaissance du foiling. C'est très agréable à bord et j'ai envie de dire très, très constructif. Yeah, look, obviously the GC32 is a sort of a miniature version, if you like, of some of the foiling type catamarans that we sail in the America's Cup, and these are a great sort of testing foundation boats for a lot of young guys and a lot of also America's Cup sailors in actual fact, to sort of hone their skills and improve their techniques, their communication and their teamwork in actual fact. On apprend de plus en plus à naviguer sur ces bateaux volants, ce qui est un point très positif pour la US America's Cup. On se réjouit de renaviguer demain en fait.